Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Blue. Tu dis bonjour Blue. Comme je l'ai dit dans le titre, on va lui apprendre les bases de l'agility. Bisous. J'ai forcément commandé quelques petits obstacles sur internet, je vais vous détailler ça tout de suite. Petit disclaimer, comme toujours, cette vidéo n'est absolument pas une vidéo d'éducation. Je suis ni éducateur ni spécialiste dans l'agility. C'est un but pour moi d'entraîner mon chien, de la canaliser, d'avoir un lien plus fort avec elle. Et donc, ne voyez en aucun cas une manière d'éduquer votre chien dans cette vidéo. T'es content de retrouver les gens ? Oui. On commence avec le carré de départ, avec ses quatre petits piquets, dans lequel je la fais asseoir pour le démarrage. On enchaîne avec le petit saut. Là, c'est deux barres avec une barre horizontale. Le tout est ajustable en hauteur pour lui apprendre petit à petit. Ensuite, on enchaîne avec le saut dans le cercle. Bon, plutôt simple, hein, elle doit sauter à travers le cercle. Et on enchaîne avec le tuyau. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un petit tuyau de tissu synthétique. Elle doit le traverser et finir sur le zigzag. C'est quatre petites perches qu'elle doit passer donc en alternant droite-gauche, droite-gauche. Maintenant que je vous ai fait le petit inventaire de ce qu'il y avait dans le colis, c'est juste là, je vais vous montrer tout de suite comment je l'installe dans le jardin. Alors voici le parcours. Elle se place dans le petit carré de départ. Ensuite, elle saute la première haie. Au bout de la haie, petit virage à droite, elle passe à travers le cercle. Ensuite, elle enchaîne avec la traversée du tunnel bleu. Petit virage à gauche. Et là, elle doit passer le zigzag. Un gauche, un droite, un gauche, un droite. Et ce sera pas mal si elle nous finit ce premier parcours. Nickel. Allez, on fait de la GZ. Allez, parti. 2 days later. On se retrouve aujourd'hui pour la première étape. On va faire le carré bleu. On va lui apprendre à s'asseoir, à rester dedans et à ne pas venir me rejoindre avant que je ne lui dise. A tout de suite. Comme d'hab, j'utilise une petite croquette hein, pour que madame elle m'écoute bien. Bien. Assis. Et bien. Pas bouger. Pas bouger. Hop. Bien. Voilà. Départ. Départ. C'est bien. Départ. Aïe. C'est bien. Oui, bébé, c'est bien. Départ. Très bien, départ. Départ. Ouais, à 2-3 mètres près, on est bon. Pas loin, moi t'as vu les croquettes en gros quoi. On le retraverait, mais c'est pas mal. Allez, viens. Deuxième tentative aujourd'hui avec le saut de la haie. Je vais la familiariser avec la petite barre en lui faisant sauter juste ça. D'accord, Blue? Hop! Oui, bon, ça c'est facile. Assis. Non, assis. Hop! Voilà. Allez, hop! Ouais. Bon, là c'est un peu bas. On va essayer de remonter la barre maintenant. Ça. Oui! Blue? Hop! Ouais! C'est bien, mon chien. À cette hauteur-là, c'est facile. On monte un petit peu la hauteur. Assis! Hop! Oui! Tu maîtrises bien le saut, hein? On continue de monter la hauteur. On va associer le hop au premier saut, comme ça. Ça te va? Hop! Oui! Le but, c'est faire monter la difficulté progressivement. On monte encore un peu. Tu vas arriver tout en haut à force. Blou, hop. Ouf. Ouf. Un petit peu de brutasse épaisse. Allez, hop. Oh, super. On augmente encore un peu ou pas? Si j'augmente encore. Tu vas arriver tout en haut à force. Allez, hop. C'est bien, t'as touché, mais c'est bien. Hop. Blue, hop. Oui. Eh bien, je crois qu'elle maîtrise bien le saut. On est pas mal sur le saut, je pense qu'on est pas mal. Allez, on passe à l'exercice suivant. On passe au deuxième exercice, le saut dans le cercle, ou dans le cerceau, comme vous voulez. Ah, oui. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, il faut que je lui fasse comprendre qu'elle doit passer dedans. Allez hop! Oui! Ça va être bien! Je pense que d'avoir fait le saut avant, ça t'a aidé. Assis! Allez! Hop! Oui! Cercle! Oui!
Oui, le cerf. Allez, on essaye. Sans ray. Ah si. Blue, cerceau. Oui. Faut que j'arrête de me planter de nom, c'est cercle ou cerceau. Allez, cercle. Ouais. Oh, c'est super chien ça, super chien. On va finir l'entraînement avec un petit combo. Oui, si je te fais des bisous. C'est le point de départ, plus le saut, plus le cercle. A tout de suite. Départ. Pas bouger. Allez, hop. On redémarre. Allez, hop. Oui, c'est bien. Et demi-tour, cercle. Oui, super mon chien. Départ. Allez, hop. Blue. Non. Départ. Allez, Blue. Hop. Ah, ça va être compliqué de passer ce point. Peut-être que je vais le baisser un peu. Je vais le baisser un peu. Allez, hop. Allez, allez, allez. Ça va être marrant. Allez, viens. Allez, hop. Ouais. Et cercle. Oui, c'est bien. Cette fois-ci, sans que je t'accompagne. Allez, hop. Ouais, allez, cercle. Blue. Hop. Ouais. Cercle. Oui. On y est presque, là. Allez, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. On continuera demain ou un prochain jour. À demain. Several days later. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième session avec Blue, où on va tenter cette fois-ci de faire le tuyau. On va essayer de la faire traverser le tube et on enchaînera avec le zigzag. À tout de suite. Ne vous alarmez pas, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. J'essaierai de corriger tout ça en post-prod, mais voilà le principe. Elle doit rentrer de ce côté, passer à travers, comme vous l'avez vu, et sortir ici. On y va ? Est-ce qu'on y va pas ? Oh ouais, on va y aller. Dans un premier temps, on va faire avec des croquettes classiques, et deuxième temps, avec le jouet. Allez, assis. Pas à bouger, voilà. Allez, va chercher la croquette. Viens ! Viens ! Pas cool. Allez, viens. Attention. Allez, la croquette ! Allez, allez, allez ! La croquette, la croquette ! Oui, c'est bien bébé. Assis. Assis. Voilà, calme-toi. Au début, c'est toujours un peu compliqué de la canaliser. Pas bouger. Blue. Non, lâche. Tunnel. Allez, 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 allez. Allez, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Oui. Tunnel. Allez, ouais, c'est bien. Oui. 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 Tunnel. Oui. Bouge. Est-ce qu'on passerait pas au zigzag ? Est-ce qu'on passerait pas au zigzag ? On passe au zigzag ? On passe au zigzag. Je pense que ça va être le plus dur des exercices, vu qu'il faut arriver à la canaliser et qu'elle comprenne le mouvement de zigzag. Donc, croquette. Oh, bah t'es. On a une croquette. Rapidement, elle doit passer ici, ici, ici et ici. Plutôt logique, mais on va voir si elle y arrive bien. T'es prête ? Allez, on va y aller. On fait doucement là. Bien. Ici. Ici. Non. Hop. Et là. Et bien. Je mets la croquette dans la main, je la garde à la main. Et je la guide entre les petits poteaux. Tu la veux celle-là ? Allez. Zigzag. Zigzag. C'est bien. Zigzag. Ouais, zigzag. Ici. Comme je l'avais prédit, c'est le plus compliqué. C'est celui où elle doit comprendre qu'elle doit aller à droite et à gauche. Et forcément, il va y avoir de l'apprentissage. On va faire des répétitions. Le tunnel, ça a été très simple. Elle a compris qu'elle pouvait aller d'un côté et de l'autre. Et là, on va commencer par faire un petit break. Elle va jouer un peu et on reprendra dans quelques minutes. A tout de suite. Tu viens ? Allez, hop, hop, hop. Oui, hop, presque. Presque. Tu lâches ? Allez, viens. Elle en a marre là, on va pas tarder, je pense.
Oui. Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, on finit la vidéo sur ses entraînements. Ce sera la première partie de son entraînement à l'agility. On a fait un bon peu et on se retrouve dans quelques mois, quelques semaines, je sais pas. Le temps de finir son apprentissage et qu'elle soit plus à l'aise avec tous les obstacles et le parcours complet que j'avais présenté. A très bientôt, comme toujours si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis comme d'hab, on vous dit à très vite.